Où trouver tous les produits 100% outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Hexagone, actualité. Outre-mer News, eh bien, nous allons clôturer nos différents reportages sur cette édition de la Foire de Paris. La 120e édition, eh bien, nous sommes au niveau du stand de la Guyane, où aujourd'hui, c'était l'inauguration en présence de nombreuses personnalités. Il y avait le président de la collectivité de Guyane, la personne de Gabriel Surville, également le président du comité du tourisme, et puis beaucoup de groupes musicaux sur ce grand hall du hall 4, où il y a des concerts sont multipliés tout au long de la semaine. Et puis, il y avait cette grande chanteuse de la Guyane, Sylviane Sédia, l'ambassadrice de la Guyane qui était en cela. Je vous propose de regarder les quelques interviews réalisées avec la complicité d'Evelyne Ménard. Voilà le président de la collectivité de Guyane en notre compagnie pour l'inauguration de ce stand de Guyane pour cette 120e édition de la Foire de Paris, Monsieur Surville qui vient régulièrement. Alors, il y a du monde sur ce stand, mais la Guyane est devenue une belle vitrine de ce Hall 4 depuis quelques années maintenant. Alors vous savez, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, notre volonté de hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence nécessite que nous puissions à un moment donné changer les regards que nous portons sur le territoire. Et changer les regards, c'est aussi donner aux autres la possibilité de le regarder différemment. Et pour qu'il soit vu différemment, eh bien, il faut que nous-mêmes, nous nous donnions la capacité à augmenter son niveau d'attractivité, à augmenter sa visibilité. Donc c'est le travail que nous essayons de faire. On n'avance pas aussi vite que j'aurais souhaité pouvoir le faire, mais on avance. On avance dans la qualité, à défaut de pouvoir avancer dans la quantité par rapport au nombre d'exposants. Mais je considère qu'il était important pour nous d'être là, même à minima, comme je l'ai dit précédemment. Et puis j'espère que les personnes qui passent nous rendre visite seront de plus en plus sensibles à ce que nous disons, à ce que nous faisons, que ça leur donnera de plus en plus l'envie de venir voir ce qu'est le territoire de la Guyane, parce que je rappelle que nous sommes véritablement une terre d'excellence déjà. Nous sommes une terre où on fait beaucoup d'innovations. Je parlais de l'aventure spatiale que tout le monde connaît, mais je parlais de la biodiversité, je parle de la médecine. Ce sont des territoires où la Guyane est en train d'occuper des positions vraiment de pointe et il va falloir que le monde entier finisse par le savoir. On essaye de voir comment s'entourer d'un maximum de garanties avec des jeunes issus du territoire qui ont envie de revenir, qui ont envie de prêter main forte. Donc voilà, on avance doucement, mais on avance certainement. Et c'est ça l'essentiel. Monsieur le Président, on parle toujours des choses un peu compliquées de la Guyane, de tous ces faits divers. Vous en êtes conscient pour l'image de ce département? Ah ben, je suis conscient qu'à côté de ce qui va bien, il y a des choses qui ne vont pas bien. Mais souvent, je dis que ce qui ne va pas bien, c'est la responsabilité de tout le monde. Ce n'est pas une responsabilité en particulier sur laquelle il faut pointer l'index. Mais nous sommes aussi en train, à travers les compétences qui sont celles de la CTG, de travailler à l'aménagement du territoire, de travailler pour l'éducation, de travailler à l'amélioration de la formation, de mettre le paquet sur le logement. C'est tous ces éléments-là qui, mis bout à bout, vont permettre d'améliorer le cadre de vie. Ils vont nous permettre de répondre mieux aux aspirations de la population. Et vous savez qu'il y a, sans coup férir, des responsabilités qui relèvent des collectivités, des communes, qui relèvent de la nôtre, qui relèvent des parents, qui relèvent des associations. Et donc c'est tout le monde ensemble où on devra se mettre d'accord pour trouver le cheminement, trouver la trajectoire qui devrait permettre à la Guyane de s'en sortir. Ce sont des tâches qui sont menées de manière concomitante, c'est-à-dire travailler pour diminuer le nombre de faits divers, naturellement. Les faits divers, comme je dis, qui sont souvent des conséquences, donc nous travaillons sur les causes.
et puis travailler également sur tous les éléments qui vont nous permettre d'augmenter considérablement le niveau d'attractivité du territoire. On fait les deux ensemble et je vous garantis que dans 3 ans, 4 ans, on verra les résultats du travail que nous faisons aujourd'hui. Il n'y a pas que du mauvais. Alors il y a la première dauphine de Miss France qui attire l'attention du public fort nombreux ce matin ici. Ça vous fait plaisir en quelque sorte? Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Mais surtout la première dauphine de Miss France qui était Miss Guyane l'a aussi rappelé. Il y a le concours de beauté, mais il y a aussi un concours d'intellect dans ce qu'elle dit. Et c'est quelqu'un qui est très très bien équilibré dans son corps, mais également dans sa tête. Et c'est ce que je dis aux jeunes de Guyane, mais je pourrais le dire aux jeunes des Antilles, de tous les Outre-mer. On peut et on doit être bien dans sa tête, dans son corps. On peut être beau, on doit être beau. Mais il faut aussi qu'on travaille à l'amélioration de l'intellect, à l'amélioration de l'intelligence. Et c'est la raison pour laquelle j'invite les jeunes. Vous savez, j'étais prof de maths, j'étais chef d'établissement. Eh bien, je ne peux pas m'empêcher de toujours leur lancer cet appel à la mobilisation intellectuelle en leur disant « mais travaillez, formez-vous, prenez le temps de vous cultiver parce que par ce biais-là également, vous allez pouvoir briller à la face du monde. » On a vraiment besoin d'une jeunesse qui soit éduquée, qui soit bien formée parce que c'est elle qui représente l'avenir de nos territoires respectifs. Et je considère qu'à partir du moment où cette jeunesse sera intellectuellement en capacité de comprendre les grands enjeux du monde, parce que nous ne sommes pas des territoires qui seraient en orbite géostationnaire autour de la Terre, nous appartenons à la planète Terre et nous avons compris que tout ce qui se passe en Ukraine, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Chine, a des répercussions sur nos territoires, en Guyane, dans les Outre-mer, à La Réunion, à Mayotte, etc. Et donc nous devons avoir présent à l'esprit en permanence ce principe qui doit nous obliger à nous intéresser à ce qui se passe à travers le monde. Et donc c'est ce travail d'information, d'accès à la connaissance que nous allons continuer à accentuer parce que c'est le chemin obligatoire par lequel on doit passer si on veut hisser également le niveau intellectuel qui va nous permettre de hisser la Guyane et de hisser nos départements d'outre-mer à un autre niveau par rapport aux autres pays du monde. Toute dernière question concernant notre grande ambassadrice qui fait cette année une longue carrière au niveau de la musique, c'est Sylvia Tsedia. J'ai entendu vos mots d'ailleurs il y a quelques instants sur le podium, ce grand podium qui est installé ici. Alors j'ai rappelé à Sylvia Tsedia à quel point la Guyane l'aime, à quel point le monde l'aime. J'ai dit à Sylvia Tsedia qu'au bout de 60 ans de carrière et même avant, elle était déjà devenue dans nos cœurs une espèce d'icône, c'est un modèle, c'est une référence aujourd'hui, pas que dans le domaine de la musique, pas que de l'aubaine de la chanson, mais c'est une référence tout court. Parce que c'est quelqu'un qui a dans sa vie connu des moments de festivité, des moments de joie, mais qui est passé aussi par des moments de peine et qui nous démontre une sacrée résilience. Mais je considère que cette résilience, elle en a hérité de par son humilité, de par sa capacité à respecter l'autre, de par son sens de la solidarité, de par son sens du respect de la personne humaine. Et voyez que lorsque je dis ça, eh bien, je cite des valeurs qui pour moi sont des valeurs nécessaires à la restauration d'un monde qui soit plus juste, un monde de paix. Donc voilà, je continue à dire qu'elle est véritablement un modèle et une référence en termes de résilience pour la Guyane, pour les territoires d'outre-mer et d'une manière générale pour le monde entier. C'est pour ça aussi qu'on l'aime énormément. Voilà le président du comité du tourisme de Guyane présent pour cette inauguration, accompagné de beaucoup de personnalités évidemment. La première dauphine de Miss France, Gabrielle Surville, on a entendu les discours, beaucoup de monde, beaucoup de Guyanais, et puis un public Guadeloupe, Martinique, des métropolitains aussi qui sont là. Alors, c'est toujours un grand moment cette inauguration, monsieur Levest. Bah, c'est important, c'est la journée de la Guyane, c'est le moment où, qui est un carrefour, un moment où on se rencontre, un moment où la diaspora se retrouve. Vous savez, moi, chaque année, depuis 3 ans que je viens, je rencontre toujours des Guyanais que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Donc ça veut dire que ça marche, ça fonctionne, tout le monde se donne rendez-vous. Alors bien sûr, autour de produits guyanais, autour d'un certain nombre de choses qui sont importantes pour nous de montrer et de démontrer. Et cette année, notre présence sur la Foire de Paris s'est inscrite dans le Made in Guyane, puisque l'ensemble des produits qui sont présentés sont des produits qui sont manufacturés, fabriqués en Guyane, alors quelquefois mis en bouteille ou autre à Paris. Mais l'important pour nous cette année, c'était de mettre véritablement en avant le Made in Guyane. Alors évidemment, la Guyane, on entend beaucoup parler de ce département. Déjà avec cette première dauphine de Miss France que nous avons eue cette année, qui est d'ailleurs très demandée en termes de photos ici. Ça aussi, ça fait plaisir. Ah bah, c'est une fierté pour nous, clairement. Comment vous dire, vous savez, la principale action que nous faisons pour la Guyane, c'est déjà
de réparer ce déficit de notoriété. Alors, je dirais qu'avec Audrey cette année, qui est première dauphine de Miss France, c'est véritablement une propulsion de notre territoire. Je rappelle, beaucoup de gens ne le savent pas, elles imaginent que c'est une île, alors qu'on ne le répète pas jamais assez, la Guyane, c'est la porte d'entrée et de sortie de l'Amérique du Sud et de l'Europe en Amérique du Sud, et c'est important. Qu'avez-vous fait d'une manière concrète pour faire évoluer, faire avancer le secteur du tourisme sur les... C'est important, c'est déjà d'être présent. C'est d'être présent un peu partout et surtout dans les grands rendez-vous que nous pouvons avoir sur le plan national et ailleurs. Cette année, on rayonne puisqu'on a été en Allemagne, on a été au Luxembourg, on a été dans les pays scandinaves. Et on s'est intéressé aussi aux pays du sud de l'Europe. Donc c'est important d'être présent à tous les grands rendez-vous touristiques et véritablement pouvoir montrer les produits touristiques que nous avons. Nous avons la chance, c'est que nous sommes aujourd'hui sur des produits touristiques que les autres n'ont pas favorisés depuis des années, c'est-à-dire le tourisme vert. Et ce tourisme vert qui est un tourisme, je dirais, confidentiel, nous visons pas et nous n'avons pas la prétention de vouloir faire du tourisme, je dirais, de masse, puisqu'aujourd'hui, nous, à 200 000 touristes, on bloque tout et on arrête. Donc c'est véritablement un tourisme de niche et c'est véritablement sur ça que nous allons nous axer ces prochaines années. C'est vrai qu'on parle beaucoup des plages des Antilles, mais il y a le tourisme vert qui prend de la dimension, qui est très demandé aujourd'hui. Oui, je dirais qu'il faut un peu de tout. Je parle souvent aux gens qui ont déjà fait les Antilles, qui ont déjà fait les États-Unis, le Pacifique et autres, et qui veulent autre chose que du tourisme, je dirais, du tourisme balnéaire en bordure, et qui veulent un tourisme de découvert. Alors souvent, les gens se heurtent en disant « mais je ne sais pas si j'aurai la forme physique pour pouvoir le faire ». Et on leur montre qu'on peut s'adapter, et ce tourisme-là peut s'adapter à toutes les générations. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des enfants qui vont en forêt, mais vous pouvez aussi avoir des gens qui ont 80 ans et qui s'y retrouvent. Parce que ce contact direct avec la nature, nous en avons tant besoin. Et je dis souvent à nos invités en Guyane, bien vivre, c'est avant tout bien respirer. Alors, sur le stand de la Guyane, nous retrouvons Miss Guyane 2023, Audrey Oyensay, qui a réalisé donc un beau challenge au niveau de Miss France. Pouvez-vous nous expliquer comment s'est passée votre élection ? Alors, je suis d'abord passée par l'élection de Miss Guyane, donc j'ai été élue Miss Guyane 2023. Et c'est par la suite que je suis du coup allée à l'élection de Miss France. C'était vraiment incroyable, c'était un super moment et j'ai pu représenter fièrement ma belle Guyane, ma région. Donc c'était vraiment un moment important pour moi et symbolique parce que souvent on ne sait pas où se situe la Guyane ou autre. On ne connaît pas forcément la culture et je voulais, à travers mon titre, à travers mon aventure, pouvoir mettre en avant mon territoire et pouvoir représenter fièrement ma population, ses valeurs et surtout sa culture, parce qu'en Guyane c'est particulier, il y a une énorme multiculturalité. Et en fait, moi je suis chinoise, mon père est chinois, ma mère est sainte-lucienne, et à travers ce mélange et cette diversité culturelle, je voulais représenter au mieux la Guyane, car la Guyane est un meeting pot en fait de culture. Vous avez terminé première dauphine. Exactement, j'ai terminé première dauphine, c'est vraiment 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 pas mal, donc c'est une écharpe très symbolique pour moi également, donc j'ai pas été élue Miss France. C'est un objectif que je m'étais fixé en étant Miss Guyane, mais pour moi je n'ai pas perdu, au contraire, j'ai tout gagné. J'ai gagné le cœur des Guyanais et des Français aussi. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir toute cette émulation autour de Miss France, du titre, le soutien que les Français et les Guyanais, que tout le monde avait pour moi. Du coup, vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et c'est grâce à ce soutien que je suis actuellement aujourd'hui devant vous en tant que première dauphine de Miss France. Vous gardez contact avec Miss France également ? Alors oui, non, ça va, tout se passe bien. Au contraire de ce qu'on peut penser, tout se passe bien. C'est dommage justement qu'elle subisse des critiques sur les réseaux sociaux, le harcèlement. Je ne cautionne pas du tout ça. C'est vrai qu'on peut avoir ses préférences, ses coups de cœur, mais il faut rester toujours respectueux. Donc non, vraiment, on se soutient mutuellement et tout se passe bien entre nous. Donc une Miss reste toujours une Miss, bien sûr. La prochaine élection en Guyane aura lieu quand ? Alors la prochaine élection de Miss Guyane aura lieu le 13 juillet au Zéphyr, voilà, à Cayenne. Et quelles sont les retombées par rapport à votre titre de première dauphine de Miss France ? Alors, donc les retombées, je veux dire les avantages en tout cas, c'est que on me reconnaît un petit peu partout, j'ai quelques petits avantages, des fois on me donne des petits cadeaux, mais c'est avant tout
une grosse notoriété que j'ai et qui me permet du coup de porter des valeurs, de porter des messages. Et j'aime vraiment tout ce qui est culturel, environnemental et jeunesse. Et à travers ce titre, je peux véhiculer mes valeurs, changer les mentalités et même parce qu'il y a une émulation, comme je l'ai dit, et du coup, ça pousse les gens à changer un petit peu de mentalité à travers ma vision des choses. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir changer les choses, apporter ma pierre à l'édifice sur certaines causes et à travers mon titre de Miss Guyane et du coup, première dauphine de Miss France qui m'amène aussi loin. Et pourquoi vous vous êtes présentée à Miss Guyane ? Je me suis présentée à Miss Guyane parce que j'aime beaucoup le monde artistique, le monde de la scène, j'ai toujours été dans la danse ou autre. J'ai également fait l'élection de Miss Interlycée 2022 et après cette élection, j'ai enchaîné avec Miss Guyane 2023 et le monde des Miss me plaît en fait et tout simplement, ça m'a donné envie de grandir et voilà. Stand de la Guyane, nous sommes avec un horticulteur fleuriste, Monsieur Joseph Tétra. Pouvez-vous nous présenter vos compositions florales sur la flore ? Bonjour, alors sur la foire de Paris, on peut retrouver un peu de tout ce qui se cultive sous les tropiques, comme aux Antilles, Guyane. C'est l'alpinia, la rose de porcelaine, oiseau de paradis, bec de perroquet, l'héliconia. Voilà, une large gamme, super colorée, mais malheureusement pas parfumée. Vous faites de belles compositions, vous offrez à la clientèle des bouquets également ? Oui, tout à fait. Depuis toutes ces nombreuses années, la clientèle métropolitaine a toujours adoré la fleur exotique, tout ce qui vient des îles, des tropiques et de la Guyane. Et c'est très plaisant. La production se fait en Guyane également ? Oui, en Guyane, la pépinière sur Matoury, sur Tonat Macoria et une boutique de fleurs sur Montabo, à Cayenne. Vous avez une vaste quantité de fleurs à offrir, bien sûr. On fait de notre mieux pour cultiver tout ce qui est exotique. Et bien sûr, à la boutique, en Guyane, on ne peut pas tout cultiver. À la boutique, on reçoit d'autres fleurs qui viennent de d'autres pays, la Colombie ou la Hollande. Et c'est situé où c'est à Cayenne, je crois, non ? La pépinière se situe sur Matoury, pour ça que ça s'appelle Matoury Garden. Et également une extension sur Tonat Macoria. Donc votre exploitation représente combien de personnes et combien de collaborateurs ? Oh, c'est une petite exploitation à l'échelle familiale, c'est en famille et on a du mal à faire de grandes quantités. Départ de Guyane, on a du mal à faire de grandes quantités pour l'export vu que le coût du fret est très élevé départ de Guyane, qui fait qu'on se limite juste à de la production pour la vente directe en Guyane uniquement, on ne fait pas de l'export. À nos confrères de Radio Pays présents aussi pour l'inauguration de ce stand de la Guyane pour cette 120e édition de la Foire de Paris. Quelqu'un que je n'ai plus besoin de vous présenter puisqu'on l'écoute, on le voit, Gilles Vernet qui est venu spécialement avec l'un de nos confrères pour la couverture de cette inauguration. Alors Gilles, c'est important pour qu'une radio comme Radio Pays, très écoutée Guyane, soit présente ce matin ici. Absolument, d'autant plus que vous savez qu'on a des statistiques précises sur le net. Nos deuxièmes auditeurs les plus fidèles sont les auditeurs de Paris, après Cayenne. C'est vous dire que notre présence ici est importante, on le sent d'ailleurs, les gens nous le disent. C'est important de donner des informations de Guyane pour les gens d'ici. Donc à chaque fois qu'il y a la foire, c'est important d'y être parce que nous sommes le lien entre les Guyanais qui vivent sur le territoire et les Guyanais qui vivent pas seulement à Paris, mais dans l'Hexagone également. Donc pour nous, la Foire de Paris est un rendez-vous incontournable. Comment expliquer cette force de Radio Pays ? Je vous suis avec des débats, notamment le forum que vous animez. Il y a une puissance incontournable sur cette radio qui est très très écoutée en Guyane. Parce qu'on a gardé le lien, la proximité. Souvent, on tient nos promesses en vérité. Quand on dit aux auditeurs, là où ça se passe, on est en direct. Eh bien, c'est ce qu'on fait. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, on est en direct et on essaye d'informer la population dans tous les domaines. L'idée pour nous, ce n'est pas que de donner des informations un peu anxiogènes. Quand c'est positif, il faut être là également. Quand il y a un festival, quand nos artistes doivent être mis en avant également, l'art, le milieu artistique, on est en avant. Bon, quand il se passe quelque chose de grave, de dramatique, on est là aussi. Quand un média tient ses promesses, eh bien la fusion se fait. Et ce n'est jamais facile de tenir ses promesses sur la durée. Et nous, ça va bientôt faire 10 ans. L'année prochaine, Radio Pays aura 10 ans. Voilà, on est là où ça se passe. Et du coup, les auditeurs sont là. Et puis, vous réagissez rapidement, notamment sur les réseaux.
par rapport à un sujet, on a des images, on a du son très peu de temps après. Oui, il y a la radio en direct et puis il y a les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, parce que, et c'est ce que les gens ici nous disent, on vous suit quel que soit l'endroit où on est, pas uniquement à Paris mais partout dans le monde. Aujourd'hui c'est la journée Guyane, il y a des Guyanais qui sont venus de partout pour rencontrer d'autres Guyanais et ils n'ont pas mis leurs pieds en Guyane depuis tellement d'années. Ça leur fait plaisir d'être là. Et nous, on est le lien entre tous ces Guyanais. On peut parler de là, du coup, de la diaspora. On est ce lien-là. Alors, quand on écoute Radio Pays, on se dit, il manque une chose, c'est Télé Pays. Est-ce que ça, on peut espérer un jour? Parce que c'est vrai, ça pourrait être intéressant. C'est la continuité même naturelle des choses. Ça y est, on peut le dire. Parce que souvent, on nous pose la question. Et moi, j'aime pas parler dans le cloud, comme on dit. Aujourd'hui, c'est du concret parce que les Guyanais, quand ils vont sur le canal en Guyane, ils voient déjà la marque de Télépays. Donc ils savent que c'est pour bientôt. On y travaille et j'en dis pas plus. Ça va faire mal. Ça, bah, écoute, ça risque de faire mal. Écoutez, on a déjà notre idée de quelle télé on veut faire pour les Guyanais. On y travaille sérieusement et ça arrive bientôt. On vous donnera la date en temps et en heure. Merci à Gilles Bernier, grand professionnel de la radio et de la télévision. Merci, merci beaucoup. À la 120e édition de la Foire de Paris sur le stand de la Guyane, nous sommes avec Romaric Rupert. Donc je vois également donc des t-shirts, des casquettes, des polos, des ballons de football. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bonjour. Ben, la marque Flexible, c'est une marque urbain et de sport. Et c'est une marque guyanaise. Nous sommes venus spécialement à la Foire de Paris pour rencontrer les ultramarins et ceux qui sont ici, pour faire découvrir la marque à ceux qui ne la connaissent pas. Et c'est une marque qui est effectivement qui a une grande gamme de produits, puisque nous sommes dans le sport et aussi dans le côté urbain. Donc ça s'adresse à toutes les personnes, bien sûr. Oui, ça s'adresse à tout le monde, puisque je pense que l'état d'esprit du sport, c'est que tout le monde a envie de faire du sport, tout le monde a des idées et la marque suit ce procédé. Vous commencez à partir de quelle taille? On commence à partir de 3 mois. 3 mois jusqu'à 99 ans. Non, on fait pour tout le monde. On fait pour tout le monde. Et en fait, la marque Flexible, c'est une marque avec un état d'esprit qui est plié pour ne jamais casser. Le logo de la marque, c'est un phénix pour sa particularité toujours honnête de ses centres. La marque Flexible a un slogan qui est simple, c'est « Faites de votre cible un objectif à atteindre ». Et on passe notre temps à développer des gammes pour qu'au quotidien, les gens qui ont des objectifs, les gens qui ont des rêves, puissent atteindre leur objectif, leur rêve. Et la marque le montre puisque depuis 2003, nous existons et on continue à chaque année à franchir des paliers. Et c'est l'état d'esprit de la marque de toujours aller de l'avant. Donc vous habillez les personnes de la tête aux pieds puisque je vois aussi des chaussettes. Oui, on habille de la tête aux pieds. Aujourd'hui, la marque, elle est complète. C'est là que c'est plus valorisant et on prend plaisir puisque aujourd'hui, on peut jouer au foot, faire du padel, du tennis. On peut faire tous les sports, pratiquer tous les sports avec la marque Flexible. Et la matière de la composition, en fait, des t-shirts, je pense que ça doit être aéré. Pour le sport, oui, mais pour le côté urbain, le classique, le quotidien, on travaille beaucoup avec le coton bio. On pense aussi aux matières recyclées, les sacs sont faits avec de la matière recyclée. On essaie au maximum de rester dans l'état d'esprit de la marque qui veut dire les nouvelles technologies. Et au niveau des couleurs, je vois que vous êtes en vert, en jaune, en rouge. Oui, puisque là on est à la Foire de Paris, aujourd'hui c'est la journée spéciale Guyane. On est venu avec le comité du tourisme et la CTG. Donc c'est important pour nous aussi, puisque la marque c'est une marque guyanaise, de valoriser notre drapeau à travers nos produits. Donc c'est ce qu'on fait, on rend hommage au pays, on essaie de représenter au maximum. Donc voilà, les couleurs que vous voyez, ce sont les couleurs de notre drapeau. Un très bel hommage. Donc vous pouvez nous rappeler la marque? Flexible. Et on peut vous trouver à quel endroit? On nous trouve à la boutique à l'aéroport, prochainement aussi au centre-ville, puisqu'on ouvre notre établissement au centre-ville et puis sur Internet. O News Radio sur outremernews.fr.